Je pense que les utilisateurs font n'importe quoi, les laissent n'importe où, roulent sur les trottoirs, sont dangereux. Moi, j'ai déjà failli me faire renverser. Et voilà, c'est la liberté, mais la liberté, non, on ne peut pas être libre quand on risque la vie des gens. Parce que c'est vraiment risquer la vie des gens, ils vont très, très, très vite. Moi, je suis pour l'interdiction tant qu'il n'y aura pas une réglementation un peu plus ferme. Parce que verbaliser, on sait bien que personne ne le fera, c'est comme les mégots, c'est comme tout ça. Donc je suis pour l'instant pour l'interdiction. Il y en a partout, elles sont jetées n'importe où, donc moi je suis pour l'interdiction. Oui, moi les trottinettes électriques, je trouve ça dangereux, alors surtout pour les utilisateurs. Peut-être qu'il faudrait que la mairie de Paris prenne des décisions en conjoncture avec la préfecture de police pour, verbaliser ou établir des choses, en fait, tout simplement une législation. Je suis de Montpellier, on a le même problème. Ce qui pour moi est très problématique, moi je suis conductrice d'une trottinette qui n'est pas électrique. Ce qui est problématique surtout, c'est l'état des trottoirs, qui lui est dangereux et pour ceux qui font de la trottinette et du coup pour les piétons, puisque les trottinettes électriques sont obligées de passer par les endroits piétons accessibles où il y a des poussettes. Donc oui, je trouve que c'est très dangereux. Je trouve effectivement que l'utilisation des trottinettes est très dangereuse, surtout que les utilisateurs l'utilisent d'une façon intempestive. Souvent, ils se mettent à deux, ils traversent sur les passages piétons, sur les trottoirs, et ça peut être effectivement assez dangereux. Et au début, c'était un jeu pour les gens. C'était une découverte. Maintenant, il y a une densification d'utilisation. Entre la route qui peut être dangereuse pour l'utilisateur de la trottinette et le trottoir qui est dangereux pour les piétons, apparemment, l'espace devient assez restreint.